Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce quatrième épisode de Crash Bandicoot 2. Donc on va passer au niveau suivant que j'ai à faire, donc c'est celui-là. Bear Down. Ouais, ça sent le niveau avec mon petit polar, hop, donc on va se concentrer. Et il faut faire un long saut pour celui-ci. Hop, donc ici, toujours éviter les orques. Bon, là par contre, on passe à un top niveau, faut faire juste attention. Là, faut sauter. Faut voir le. Hop. Donc heureusement, comme d'habitude, il y a des checkpoints. Là, vous voyez, hop. On a des Inuits qui, du moins plutôt des personnes qui, donc là faut avoir du skill bien sûr pour pouvoir récupérer les caisses. Ah là vous voyez, c'est rigolo, regardez, le crash ange qui ramène le polar avec lui. Là, vous voyez, je me suis pas fait avoir. Hop. Donc là, on récupère hop, le. Ouh là là, ouh. Vous voyez, j'ai eu le temps de casser la caisse. Ah mince. Je pensais qu'il allait soulever au bon moment. Donc, heureusement, ça reprend là où j'en étais, hop. Donc là on commence avec les nitros, donc ça va. Ah mais j'arrive à la fin. Alors là je pense que c'est là en fait qu'il fallait revenir en arrière. Avec comme ça, hop, vous voyez, hop, ça nous amenait quelque part. Et en fait, ici c'était un bonus, c'était un passage spécial, c'était un endroit spécial pour passer dans des levels. Je crois que c'était pour passer dans les levels spéciaux, je vais quand même sauver. Hop. Voilà, hop. Donc là on peut revenir à un certain level. Hop. Air crash, souvenez-vous, on l'a déjà fait, hop. Ici. Donc ce niveau est inconnu apparemment. Hop, mais est inconnu, je crois que c'est un niveau spécial, bonus spécial. Hop, là je essaie de faire attention. Ouh, c'était chaud. Et il faut savoir. Voilà, hop, j'ai récupéré les caisses. En fait, c'est des genres de petits niveaux par niveau. Ah, il y a un checkpoint apparemment. Hop.
Hop. Ah mince. J'ai raté. Je vais quand même essayer de prendre des caisses de tout ce niveau. Bonus apparemment. Hop. Ben, nous sommes à un checkpoint. Ce genre de... de truc, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Hop, voilà. Encore un bonus. Donc on va le faire, on va faire le niveau bonus quand même. Je pense que c'était en fait un truc pour récupérer des caisses anciennes, hop. Ou des anciennes caisses, on peut le dire. Vous voyez, cette fois-ci, je ne suis pas tombé, souvenez-vous. Hop. Que je m'étais ramassé la dernière fois, donc là, j'ai appris de mon erreur, hop. Là, je vais essayer de pas tomber à l'eau. Ouh, c'était juste. On va faire attention. En fait, c'était peut-être une zone spéciale pour pas. Ok, hop, j'ai activé un bonus spécial apparemment. Oula, ça sent le niveau spécial super chaud. Faut être bien synchro, sans aller trop rapidement, voilà. Là apparemment. Voilà, comme ça qu'il fallait faire. Là je sens la zone super dure à passer, hop. Voilà, vous voyez, hop. Je pensais y passer. Et en fait non. Donc là apparemment. Hop. Et voilà, hop. Et encore un diamant, tiens. C'est super. Hop, j'ai récupéré un diamant en plus apparemment. Donc je sais pas si c'est le diamant de la zone bonus, parce qu'il y a un diamant d'une zone bonus. Hop. Ouais, c'est le diamant de la zone bonus. Là, par contre, il faut que je remonte pour revenir au monde où j'étais juste avant, voilà. Là, vous voyez, j'ai récupéré le cristal, donc je peux enfin faire le level 14. Hop, donc j'ai récupéré un cristal spécial grâce à un bonus, hop. Et je pense que j'aurais pu récupérer les caisses parce que vous avez vu, j'ai terminé. Ah oui, je connais ces niveaux-là, c'est des niveaux les plus costauds pour certains. Donc, toujours. Toujours l'ira, hop. Cela pour les battre, il fallait. Hop, voilà. Donc là, les genres de têtes de gorille que vous voyez. Ah mince, j'aurais dû glisser. Les têtes de gorille, certaines. Ah ouais, il fallait glisser direct. Crash du feu, voilà. Encore une zone. En fait, je crois que c'est quand on prend une. Comment dire, une. Les zones bonus, je crois qu'elles permettaient d'avoir des diamants spéciaux. Je vais tenter de les avoir. Donc là, je pense que c'est safe. On va faire comme ça. Là, on va voir ce gorille. Hop. Elle n'a pas l'air si dangereuse que ça. Hop. Bon, j'ai pas encore fini donc. Hop.
je fasse très vite. Et voyez, hop, j'ai pas été assez rapide. Bon, tant pis, je ne peux pas la refaire, il va falloir que je revienne plus tard. Vous voyez, c'est pas... Wow, wow, wow. J'ai un peu attendu. Tac. Donc, le jeu a peut-être vieilli, mais bon, dans la difficulté, j'ai l'impression qu'il n'a pas vieilli. Ah non, il est toujours là, mais bon, j'irai les refaire peut-être un jour. Wow, 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 wow. On va attendre. Voilà. Faut jamais sous-estimer. Hop, on va récupérer ça. Ça, je le sens pas du tout. Non, ça va. Non, ça va, j'ai encore une trentaine de vies. Je me suis dit avec les fails que j'ai fait. Donc, vous voyez, hein, ok. Là-bas, il y a un diamant, mais ça doit être le diamant que je dois récupérer un peu plus tard dans le niveau bonus que j'ai dû, je devais faire. Mince. Gros fail, hop. Ça va, vous aurez l'habitude. Je récupère le plus de Wumpa possible. Donc je disais, ce diamant doit être la fin du niveau bonus que j'ai fait tout à l'heure. Il y a une tête de mort, donc c'est le bonus de la mort. Chaque fois qu'il y a un checkpoint, c'est que la suite a l'air d'être un peu complexe. On va faire au moins le niveau bonus. Alors, ce qui était sympa, les niveaux bonus, ils étaient toujours proches de la suite. Donc, on pouvait voir qui se passait ensuite. Donc apparemment on va être bientôt sur la fin. Hop. D'accord. Un truc troll. Hop, voilà. Vous avez compris, les caisses qui sont affichées en bas, c'est celles qui rajoutent pour avoir les caisses bonus pour avoir le diamant. Hop. Donc un peu plus, j'allais me faire prendre par les flammes, donc ça m'aurait été fatal. Là, ce qu'il faut faire, hop. Donc là, on va casser ça quand même. Donc là, je sens que là-bas en face, c'est la fin. Hop. Et voilà, j'ai oublié plein de caisses, mais c'est pas grave, on va les faire la suite. Voilà, et il me reste ce dernier. Oula, je sens que c'est un niveau un petit peu spécial. Je fais le direct, et vous voyez, cette fois-ci, ce n'est pas la boule de neige, c'est maman... C'est maman ours qui est pas contente parce que on utilise son bébé polar pour. Par contre, les. Voyez, il y a des trucs à casser, il y a des mobs à balancer. Donc elle est pas contente parce qu'on a utilisé son bébé polar pour. Voyez. Apparemment, il n'y a pas qu'une maman, il y en a plusieurs. Hop. Je
sais que c'est... il faut pas glisser, mais bon, ça va un peu plus vite que de tournoyer, parce que tournoyer apparemment ralentit un peu. Ouais, il faut pas oublier de tuer les mobs aussi. Encore fail sur fail. Ah, je me suis fait encore avoir par la mine. Hop. Ouais, là, je suis sauté par-dessus, j'ai pas eu à le casser. Hop. Donc là, comme la boule, maman, va tomber. Voilà. Dur sur la chute. Hop. On va prendre ça. Je sais pas si j'ai toutes les caisses, mais... Donc là, souvenez-vous. Copie. Non, on peut pas. On peut pas sauter plus loin. Là, je pense que si... Non, ici non plus. Bizarre. Ah, vous voyez, je me suis raté. Je voulais essayer de voir si on peut faire un saut long en étant accroupi. Tu vois, là par exemple. Peut-être. Tant pis. Je vais faire la suite. Prendre le speed. Et on commence quand même à tomber dans le... Là, vous voyez, j'étais pas loin de... tomber, heureusement, il y a... Oula, celui-là il saute, donc il faut éviter. Ah, là, il fallait un peu ramper. Il faut aller un peu plus vite. Ah, j'ai dû sauter pour rien. Je sais pas pourquoi j'ai glissé. Ah oui, j'ai pensé qu'on était sur celui avec l'arc électrique. Donc hop, je vais repartir. C'était bien de faire. Et là, vous avez Polar. On prend cette fois-ci Polar et elle est encore plus énervée, donc elle court plus vite. Sauf que là, le niveau... Hop, vous voyez. Le niveau est encore plus speed. Et c'est là, ouais, c'est le final. Vous voyez, vous pouvez casser quand même les arcs électriques sur le bord, mais pas vous les prendre, faut éviter. Vous voyez, hop. On est sur la fin. Voilà. Et là, j'en ai oublié pas mal. Hein. Faut que, comme vous avez pu voir, faut avoir du skill et surtout bien même prendre des checkpoints avec toutes les caisses de casser, parce que c'est ce qui permettait de réussir. Voilà. On a fini. Le monde. Et il en reste encore. Crash, mon garçon. Nous y sommes presque. Mais comme tu l'as sans doute remarqué, les choses se corsent. Les 10 derniers cristaux seront les plus durs à récupérer. Ouais, j'ai bien compris. Nos ennemis vont faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour t'abattre comme une vermine. Mais je rentrerai en contact à ton retour de la prochaine caverne. Hop. C'est par contre la fin de ce 4e épisode, donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis au 5e épisode. Allez, salut à tous!